De Antwerpse chemiecluster heeft haar productie op ongeveer een 15-tal jaren tijd meer dan verdubbeld en heeft haar CO2-emissies met meer dan 50% verminderd. Verdubbeling van productie, 50% minder CO2. Hoe komt dat? Niet omdat de regering ons daarbij geholpen heeft, hè? Als een overheid een transitie wil, moet ze de verantwoordelijkheid nemen jusqu'au bout. En niet wanneer de eerste begint te fladderen, zelf gaan fladderen en dan zeggen, we doen maar liever niets. De vergunningstermijnen die we hebben voor dingen te realiseren, zijn intolerabel. Wanneer we zeggen, we willen 2030, we willen 2050, we moeten misschien gascentrales gaan bouwen, moeten misschien van alles gaan doen. Maar weet u, als we 4 of 5 of 6 jaar tijd gaan nodig hebben voor een vergunning, het zal er niet zijn. Het zal er niet komen. Il faut quand même souligner que les permis, ce n'est pas une affaire en duo entre le pouvoir public et l'industriel. Ça doit être compris en triangle. Le citoyen a sa place et c'est prévu et garanti par le droit international. Il doit être impliqué dans cette dynamique de délivrance des permis. Mais la question, c'est le temps. Comment gérer, comment rétrécir le temps nécessaire. Chaque implantation industrielle doit vivre avec le plus possible son environnement, ce qu'elle fait déjà, mais qu'elle doit encore faire plus, de telle manière à arriver à ce qu'on se comprenne mieux. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et donc, la difficulté, c'est que on doit aussi arriver à avoir un modèle où, un peu comme le dit Bertrand Piccard, il faut avoir une industrie qui soit au niveau de ce que l'énergie renouvelable peut nous donner. Et ça, c'est extrêmement contraignant. C'est ce à quoi on doit arriver, finalement, en 30 ans. On a 30 ans pour faire ça. Mais c'est bien ce que Walter explique. Et donc ça, c'est le défi. Et pour ça, je pense qu'il faut que les industriels se serrent les coudes, travaillent ensemble beaucoup plus, parce que l'écologie, si elle n'avait pas été politique, elle aurait dû d'abord être économique. Il y aura, et je pense notamment pour les entreprises les plus émettrices, il y aura un troisième niveau qui sera nécessaire. C'est-à-dire que si on veut vraiment aller vers une industrie qui est bas carbone, il faudra qu'on ait de l'infrastructure qu'un site industriel seul n'a aucun moyen de justifier. Que ce soit pour mettre en commun des ressources de biomasse pour certaines chaleurs, que ce soit pour récupérer la chaleur résiduelle, que ce soit pour faire de la séquestration et de réutilisation ou du stockage de carbone, que ce soit pour de l'hydrogène décarboné. Un site ne pourra jamais justifier ça, et il y aura besoin de quelque chose qui serve de catalyseur pour créer cette infrastructure entre plusieurs sites industriels. Et ça, il en va de la compétitivité à terme de l'industrie dans le pays. Mais si on commençait déjà tous à se concentrer sur les choses qui contribuent à l'écologie, qui contribuent au bien-être dans les quartiers, qui contribuent au côté social et qui contribuent au profit, ben, il y a déjà énormément de travail à faire. Et donc je crois que c'est là que on est tous là un petit peu à voir ça comme un choix. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut embrasser et qu'il faut aller de l'avant. Et il faut intégrer ça dans la raison d'être de nos entreprises. Ik denk dat we meer willen doen, liefst sneller en bij voorkeur ook goedkoper. Er zijn een aantal opties, maar we gaan die allemaal moeten gebruiken of we gaan er niet geraken. Dus vandaar denk ik het meer, maar het zal niet gemakkelijk zijn om het te gaan realiseren. Sneller. De termijn van de vergunningen is aangehaald door Philippe in zijn speech. 2030 lijkt heel ver, maar een windmolen ga je moeten plannen in 2021 of 2022 om zeker te zijn dat die gaat bijdragen in je doelstellingen van 2030. Dus dat is een heel lange doorlooptijd. Uw projecten 15 jaar en langer. Wouter, ik denk bij jullie ook, jullie projecten zijn heel lange doorlooptijden. Dus wij willen dat wel doen, maar het zal moeten sneller zijn. Dus de overheid zal zich ook efficiënt moeten organiseren om het sneller te kunnen laten realiseren.
realiseren. En dan goedkoper, denk ik, wel, de technologie gaat vooruit. De voorbeelden zijn al aangehaald, de prijzen worden goedkoper, er wordt meer geïntegreerd. Dus het is de bedoeling, denk ik, om dat aan competitieve prijzen te kunnen aanbieden aan de klanten. Wij zijn eigenlijk de regisseurs van het energiehuishouden. Dat is, denk ik, de nieuwe rol die we willen gaan spelen, waarbij dat zal gaan over efficiëntie, diensten en hernieuwbare energie integreren in een aanbod voor industriële en andere klanten.